Donc, chers élèves de CF3, notre leçon d'aujourd'hui, les solides, le cube et le parallélépipède. Donc, le cube et le parallélépipède, ce sont des formes géométriques. Leurs faces, ce sont des polygones. Donc, regardez ici, le cube et le parallélépipède ont chacun 6 faces, 8 sommets et 12 arêtes. Donc, ça, c'est un cube. Regardez bien, ça, c'est un cube et ça, c'est un parallélépipède. Oui, ça y est. Donc, ça, le cube, les faces, ce sont des carrés. Regardez, ce sont des carrés. Donc, il a 6 faces. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aussi, pour le parallélépipède, on a 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, 6 faces. Et sous, les deux faces qui sont opposées sont parallèles. Donc, ce face, face, donc ce sont opposés. Donc, je passe ici. Donc, ça, c'est un parallélépipède et ça, c'est un cube. Mais ça, c'est un patron. C'est le patron du cube et ça, c'est le patron du parallélépipède. Qu'est-ce que ça veut dire, le patron? Par exemple, ce cube, je le mets sous forme de patron. Donc, ça, c'est le patron du cube. Vous voyez? Regardez les faces. Les faces opposées sont parallèles. Et ici, c'est le patron du parallélépipède. Donc, les deux faces opposées sont de la même couleur. Regardez. Ça y est. Donc, je compte les faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les arêtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais ça, c'est, il se répète deux fois. Donc, c'est 12 arêtes. Et les sommets, on a 8 sommets. Donc, regardez ici. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, c'est 8 sommets. Donc, je passe aux activités. Première activité, je relie chaque solide à son patron. Donc, regardons premier solide. Donc, on a tous les faces sous forme de carré. Donc, c'est un cube. Donc, je le relie au cube. Ça, c'est un patron des parallélépipèdes. Donc, les faces, regardez, se forment de rectangle. Donc, je le relie au parallélépipède. Voyez? Donc, on va compter les faces, les arêtes et les sommets. Donc, on a dit que chaque solide, il a 6 faces. Regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 12 arêtes. 12 arêtes, ce sont les côtés. Ici, 4, 4, 4, 4. Donc, on a 12 arêtes. Ici, 8 sommets. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 sommets. Donc, je passe à l'activité 2. Je relis chaque dessin à deux faces opposées. Donc, le chat, je le relis à deux faces opposées. Donc, la première face et la deuxième face. Donc, ça. Et ça, c'est le chat. Ici, c'est le premier papillon. Donc, ici, première face, son opposé, là. Donc, 1 et 3. 1 et 3. Et ici, 2 et 4. Donc, 1 et 3, je le relis au premier papillon. Et 2 et 4, je le relis au troisième ou bien au deuxième papillon. Donc, les deux faces opposées sont parallèles.